Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manga Lifestyle. Donc c'est une nouvelle chaîne que je viens de créer tout simplement. Et donc je vais vous présenter ce que je compte faire sur ma chaîne YouTube. Donc tout simplement des présentations de manga ou animés que je vais voir tout simplement. Des critiques pareil sur les mangas, des animés. Des débats sur des phénomènes touchant de près ou de loin à l'univers manga. J'ai noté donc quelques exemples, par exemple manga versus animé, ou est-ce que les shoujo sont uniquement pour les filles. Voilà. Et je vais surtout pas suivre de rythme de publication défini. Donc voilà, pas de publication définie. Et donc voilà, ça va être selon mon temps, selon l'organisation, selon ce que je peux faire, etc. Donc je vous encourage aussi, ça vous intéresse évidemment, de me proposer des mangas ou d'autres choses sur la culture japonaise en général. Bref, rentrons dans le centre du sujet. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler d'Inspecteur Kurokochi. Donc c'est un scénario par Takashi Nagasaki, donc l'auteur de Billy Bat. Donc, au dessin, c'est Koji Kono. Et c'est Kurokawa l'édition. Son prix est à 8,50€ pour 190 pages. Et c'est un seinen. Alors, je vais rapidement vous montrer, par exemple, quelques pages. Voilà. Je vais revenir au dessin plus tard. Hop là. Donc, je vais vous parler un petit peu du scénario de départ. Je vous laisse lire la quatrième de couverture, si ça vous intéresse. Donc en fait, tout simplement, donc Keita Kurokochi, qui est donc l'inspecteur, donc le personnage éponyme, simplement, c'est un policier de la seconde brigade d'investigation, et c'est un policier totalement corrompu, qui utilise les secrets en fait, des politiciens pour en faire du chantage, obtenir de l'argent, faire de l'argent sale, etc. Et il y a son opposé dans le manga, qui est Shingo Seike, qui est un jeune officier et qui doit enquêter secrètement sur Kurokochi. Donc lui, totalement intègre, Shingo Seiki, totalement intègre au système japonais, c'est un patriote, idéaliste, etc. Et donc ça va s'organiser en fait à la confrontation des deux personnages, tout simplement. Et ça va être extrêmement intéressant, je vais vous donner mon avis par la suite. Donc parlons tout d'abord du dessin. Le dessin, honnêtement, c'est très spécial. Voilà, c'est très spécial. Je suis conscient que ça va pas plaire à tout le monde. Après, c'est sûr que c'est un style qu'on s'adapte. On s'adapte assez rapidement, hein, tout de même, à l'œuvre. Il faut noter vraiment les expressions du visage qui sont absolument grandioses. J'ai trouvé une petite page où ça caractérise bien ce que je vous dis. Hop là. Donc là, c'est Inspecteur Kurokochi. Et on voit vraiment son esprit corrompu. Voilà. Clairement, on voit vraiment que c'est limite un yakuza, on peut le dire. Enfin, yakuza entre guillemets, vu qu'il est quand même dans la police. Mais on voit vraiment qu'il fait des choses pas vraiment en règle avec la loi, on va dire. Et ça qui est vraiment intéressant, en fait, dans ce manga, c'est de voir en fait la vision du monde selon les deux personnages. Enfin, je vais y revenir par la suite. Et vraiment, le trait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il correspond vraiment totalement à l'univers. Par exemple, je vais vous trouver une petite page. Excusez-moi. Je ne sais plus où c'est. Ah oui, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci. Donc, c'est une personne dédoublée, donc je ne vais pas vous dire qui c'est, évidemment, pour éviter tout spoil. Mais en fait, le personnage que je vous ai montré, il colle totalement à l'univers. Et c'est vraiment des dessins qui sont vraiment très intéressants. Il y a beaucoup de sens caché, etc. dans cette œuvre. Et c'est vraiment ça qui donne toute son originalité et vraiment ce qui est plaisant à la lecture, hein, finalement. C'est vraiment ça qui m'a donné envie. Donc dans ce livre, clairement, on aborde des thèmes proche de vraiment un seinen, hein. Les amateurs de shonen, je pense pas qu'ils vont trouver leur compte, mais il est quand même extrêmement intéressant, hein. Même si vous aimez les shonen, vous pouvez totalement accrocher à cette œuvre, hein.
Donc, en fait, c'est, faut savoir qu'au Japon, comme vous le savez sûrement, avec tous les mangas, etc., le système judiciaire est extrêmement strict, hein, voilà. Et donc ça explique en partie la corruption de l'inspecteur Kolokochi, pour éviter évidemment que des scandales éclatent, etc. au Japon. Et donc en fait ça donne un véritable sens au manga, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et surtout ce qu'on va se demander dans ce manga, c'est est-ce que Kolokochi, avec sa vision du monde, a raison, ou c'est celle en fait de Seiki, donc de Shingo Seiki, qui est donc la personne intègre totalement face à cette personne corrompue qui est Kolokochi. Et on va vraiment se demander qui a raison et avec quelle méthode on va pouvoir rendre la justice. Soit rendre la justice d'une manière un peu moche, on va dire, avec Kolokochi, soit vraiment suivre les règles et le protocole, et même si on perd beaucoup de temps avec cette méthode. Hein. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voir comment ça va se passer, évidemment. Aussi, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est vraiment très bien retransmis dans les dessins, c'est les expressions de Shingo Seiki. En fait, on dirait qu'à tout moment, il peut basculer, à tout moment, il peut faire totalement un craquage psychologique, et soit se dresser contre Kurokochi, ou soit complètement adhérer à sa vision du monde et de la loi, de la justice, hein, tout simplement. Et c'est vraiment, en fait, l'habileté du dessin. Voilà, qui fait l'œuvre, hein, tout simplement. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'a vraiment poussé à l'acheter. Hein, enfin, quand je l'ai acheté, je ne connaissais pas du tout. Et rien qu'avec les dessins, c'est vrai que j'étais assez bluffé. Donc, du coup, en fait, vous l'avez compris, c'est tout simplement une bataille idéologique, hein, entre les deux personnages, à travers un petit peu de violence et voilà, et d'affaires criminelles, hein, au fond. Hein, c'est pas ça vraiment ce qui nous intéresse. Et ben voilà, donc en gros, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Simplement, et ben, il aborde des thématiques de la société vraiment actuelles. Hein, on peut vraiment retranscrire ça au modèle français, même s'il est un peu plus clément, on va dire. Mais on peut vraiment le transposer, c'est vraiment intéressant. Et en fait, il y a vraiment aussi beaucoup d'humour, de l'humour noir. Alors voilà, donc l'humour noir, c'est sûr que c'est pas un humour qui plaît à tout le monde, hein, forcément. Mais il y a beaucoup d'humour noir présent. Enfin, personnellement, j'adhore totalement. Après, sûr, c'est une œuvre assez décalée, mais c'est vraiment drôle, hein, par moments. C'est sûr, ça transpire l'humour noir. Hein, voilà. Et vraiment, il y a des retournements de situation étonnants, que évidemment, je ne vais pas vous dire, hein, évidemment. Voilà, donc ça, c'est la toute première page du manga, donc c'est absolument pas un spoil. Hein. De plus, le découpage est extrêmement efficace, simple mais efficace, très lisible. Voilà, on comprend vraiment tout à fait ce qui se passe, et c'est vraiment super. Donc en bref, ce manga, il est super dans le fond et dans la forme, hein, tout simplement. La couverture, je la trouve vraiment sublime, hein, magnifique. Et donc voilà, franchement, je vous conseille vivement ce manga. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le tome 2 est sorti. Si je ne m'abuse. Oui, le tome 2 est sorti. Donc je ne l'ai pas encore acheté, mais ça devrait venir. Donc voilà, c'est fini pour cette petite review de manga. Donc évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des critiques, parce que c'est ma toute première vidéo. Donc des critiques constructives, pas d'insultes, s'il vous plaît. On ne va pas commencer ma chaîne YouTube avec des insultes, ça serait dommage. Mais exemple, si vous voulez, peut-être que je parle d'un manga en particulier, ou simplement sur la manière dont je m'exprime, si vous avez trouvé que j'ai dit des choses fausses, ou si j'ai oublié, par exemple, des choses sur l'œuvre, etc. Eh ben, dites-le moi, hein, tout simplement, j'en serais ravi. Et puis donc, sur ce, bah, à la prochaine tout le monde, et n'oubliez pas de commenter ma vidéo. Ciao!